certificat leadership et management du changement de HUE. Mais avant, je voudrais quand même vous expliquer la démarche que nous avons eue donc, dans notre institution, HUM Business School, par rapport à cette offre de certificat et de formation diplômante aussi, puisque comme vous le savez probablement, nous avons un MBA en management international en collaboration avec l'Université Dauphine et un master aussi en management de projet en collaboration avec l'Université de Angers. Donc HUM propose une riche palette de programmes qui soient certifiants, comme je viens de le dire, ou diplômants, destinés bien entendu aux professionnels qui veulent faire évoluer leur carrière, mais également aux entreprises, parce que nous sommes aussi une institution donc, qui est là pour répondre aux besoins de l'entreprise et à la demande de formation qu'il nous propose, que ce soit dans le cadre, je dirais, d'une demande à la carte ou dans le cadre d'une demande diplômante ou certifiante. La demande de formation adoptée par les entreprises a connu, bien entendu, des changements et implique une nouvelle approche. Et nous nous devions, en tant qu'institution, en tant que HUM, en tant qu'institution, bien sûr, qui opère dans tout ce qui est dans le domaine du management, nous nous devions donc d'être présents avec une palette assez diversifiée et répondre à vos besoins. Et donc, sans plus tarder, je vais, avant de vous présenter notre certificat Leadership et Management de Changement, je vais d'abord présenter notre institution HUM pour ceux qui ne la connaissent pas et qui existe depuis quand même une trentaine d'années. Donc, HUM, en tant qu'institution, a bien sûr senti nécessaire d'aller vers un certificat en leadership et en change management pour une raison très très simple. Nous sommes dans un environnement qui est changeant, qui change, où il y a une certaine complexité, on l'a vu dernièrement avec le Covid, et donc fatalement, les gens viennent vers nous pour nous dire « Écoutez, moi, je n'ai pas besoin d'avoir des compétences ou des outils managériels techniques, mais par contre, j'ai besoin d'être accompagné dans une nouvelle démarche, dans ma démarche, de mieux comprendre ce qui se passe autour de moi et éventuellement évoluer et faire évoluer l'équipe qui m'entoure. » Et donc, avant de rentrer dans les détails du certificat, je voudrais quand même vous présenter HUM en tant qu'institution. Donc, la création de notre institution a eu lieu en 1988. Donc, vous voyez bien qu'on a à peu près 33 années d'expérience. Et notre institution a été fondée donc, par Abdel Ali Benamoua, qui est toujours professeur universitaire et qui a été donc le tout premier directeur de l'ISCE et ancien président du Conseil de la concurrence, puisqu'il a été nommé en 2008 par Sa Majesté à la tête de cette instance. Mais à un certain moment, il y a 32 ans, il y a 33 années de cela, il s'est dit que le Maroc méritait, à l'instar de ce qui se passe à l'étranger, dans ce qui se passe donc dans les pays développés, une institution, donc une école, une business school de qualité. Et donc, notre business school est présente, je dirais, sur plusieurs villes du Maroc, donc Tanger, Rabat, Casablanca, Fès et Marrakech. Nous avons à peu près plus et même plus de 1400 étudiants, 5500 lauréats qui ont donc été mis sur le marché du travail pendant toute cette période. Et nous sommes à peu près 170 collaborateurs à temps plein et 300 enseignants et experts vacataires et permanents, dont 50 quand même permanents, ce qui n'est pas banal. Alors, HUM cette année a démarré, s'est diversifié et a démarré donc HUM Engineering School. HUM, c'est aussi une gouvernance internationale puisqu'en 2019, nous avons rejoint le réseau international canadien LCI Education qui est devenu actionnaire majoritaire au niveau de notre groupe. Et donc, LCI Education a plus de 60 années d'existence. C'est juste pour vous dire que c'est des institutions quand même qui ont un vécu, qui ont une histoire et un historique dans le monde de la formation. LCI Education a 23 campus à travers le monde et sur tous les continents. Donc, vous avez bien entendu Vancouver, vous avez l'Asie, je vais vous montrer la carte pour vraiment vous compte que c'est un déploiement international. Et nous sommes actuellement à plus de 3000 employés et 20000 étudiants à travers le monde. Donc, comme vous le voyez sur cette carte, nous sommes présents en Amérique du Nord, bien entendu au Canada, mais aussi aux États-Unis, en Amérique latine, en Afrique, au Maroc plus précisément. Donc, l'Afrique, c'est le Maroc et la Tunisie. Nous sommes présents donc au Maroc et la Tunisie et en Tunisie. Et nous sommes aussi donc sur l'Asie et nous avons un centre, donc LCI, est aussi présente à Barcelone. Alors, les certificats de HUM, pourquoi ?
Les certificats, donc, ont trois finalités, je dirais, complémentaires. Premièrement, c'est diversifier l'offre de formation pour mieux répondre aux besoins de l'entreprise et aussi faire évoluer ses collaborateurs. Il fallait, bien sûr, en tant qu'institution, qu'on renforce nos liens avec le monde entrepreneurial qui est donc en perpétuelle évolution, et nous nous devions d'être très, très proches pour mieux comprendre cette évolution et lui donner les réponses adéquates. Et bien entendu, faire profiter les participants d'un savoir-faire cumulé tout au long de ces 32 années d'existence, bientôt 33, et bien entendu, je dirais, de la couverture géographique que nous avons à travers le Maroc et via LC Education à travers le monde. Les certificats donc ont des finalités et ont des objectifs. Donc, quels sont les objectifs de nos certificats, de l'ensemble de l'offre certifiante? D'abord, c'est pouvoir donc approfondir avec vous, avec les participants, une question précise dans le cadre des différentes spécialités proposées, puisque nous en avons plusieurs certificats et plusieurs spécialités. Nous devions aussi d'être là pour vous donner la possibilité de maîtriser des techniques, donc à travers des outils qui sont considérés actuellement comme étant indispensables pour perfectionner le travail de tout un chacun et améliorer, bien entendu, notre rendu au niveau des entreprises. Et bien entendu, nous devions de suivre l'évolution et les changements qui s'opèrent donc dans différentes spécialités, mais aussi pas uniquement en Afrique ou au Maroc, mais aussi à travers le monde, parce que nous sommes dans un contexte global, régional et aussi local. Et puis, l'un des objectifs, c'était de donner le maximum de chances aux participants et aux candidats de faire émerger leur potentiel et construire leur évolution de carrière. Et comme on le sait, depuis le Covid, nous avons bien sûr des carrières qui se construisent, qui se font, qui se défont. Nous avons des reconversions, nous avons des démarrages et des démarrages de projets personnels. Et donc, nous devions d'être là pour répondre donc à cette demande. Le certificat Leadership et Management du changement, donc quels sont les objectifs? Avant d'aller vers les objectifs, on parle souvent de manager et de leader. Et aujourd'hui, nous allons parler de leadership parce que le leader, c'est celui qui excelle lorsque les gens savent le suivent, ils savent qu'il existe, mais n'ont pas besoin de le voir. Donc, ça, c'est une caractéristique, je dirais, du bon leader. C'est une définition, on pourrait parler de définition quand même de leadership, il y en a beaucoup. Le leader, c'est celui qui a la capacité de tracer la route et de voir l'évolution ou l'adhésion de son équipe et de l'accompagner, parce que le leader n'est pas tout seul, ou le leadership est là aussi dans le cadre d'une collaboration au niveau des entreprises. Donc, quels sont les objectifs globaux de notre certificat Leadership et Management de changement? La possibilité du leader à travers, je dirais, le management de changement, c'est de pouvoir identifier et renforcer son style managérial pour l'aligner avec les exigences de l'environnement et de l'entreprise actuelle et future. Nous ne sommes pas dans l'instant T, mais nous sommes dans l'instant T et dans l'évolution future de nos structures. L'autre objectif, c'est de pouvoir développer vos compétences personnelles, vous permettre de développer vos compétences personnelles et relationnelles pour mieux accompagner la performance des individus. On le disait tout à l'heure, le leader, c'est quelqu'un qui va aussi accompagner, je dirais, ces individus, de les faire évoluer et de les faire monter en puissance. Et bien entendu, un des objectifs majeurs, c'est de mettre en œuvre de nouveaux outils, de vous permettre d'intégrer une posture de manager porteur de sens face à cette complexité. D'accord ? Il ne s'agit pas de manager le quotidien, mais quand même de pouvoir aussi donner du sens à ce que vous faites et donner du sens à ce que font vos collaborateurs. Alors, pour ce faire, nous avons bien sûr un corps professoral de très haut niveau et nous n'avons aucun complexe à dire que notre corps professoral, nos enseignants sont de haut niveau et c'est grâce à eux qu'on peut éventuellement vous fournir une formation d'excellence. Pourquoi ? Parce qu'ils ont tous cette double casquette d'experts, de praticiens, puisqu'ils sont au niveau très présent au niveau des entreprises, ils font de l'accompagnement en entreprise, mais ils ont aussi une très très longue expérience, non seulement dans le domaine du management, du coaching, du développement personnel, mais aussi en pédagogie, puisqu'ils sont de bons pédagogues dans le sens où ils sont tous été ou sont enseignants, universitaires, experts, praticiens et consultants.
Donc ça, c'est l'une des, je dirais, des particularités de notre corps professoral. Alors, parmi ce corps professoral, nous avons M. Mohamed Boufliwa, qui est consultant à CAP Coaching et coach professionnel certifié ICF, spécialiste en intelligence collective et développement personnel. Saïd Aboushlier, qui est consultant à Massir, chercheur associé, bien sûr, dans un centre de recherche qui est Economia. Et bien sûr, M. Aboushlier a, je dirais, eu une longue et a toujours donc cette longue expérience dans le monde entrepreneurial puisqu'il a été à la tête de plusieurs départements RH et autres au niveau donc des multinationales et des entreprises marocaines. Yasmine Al-Qadiri est professeure de management à HEM et chercheure à Economia et elle a travaillé, elle a publié, donc elle a fait de la recherche, elle a fait des publications sur toutes les questions liées au leadership, non seulement dans les entreprises marocaines mais aussi locale et régionale, surtout africaine. Et Madame Rachida Sarrini, qui est coach en développement personnel, professionnel, et qui est aussi à la tête de CAP Coaching. Et nous en avons bien d'autres, puisque, je dirais, la liste de nos intervenants est bien longue. Le certificat Leadership et Management du Changement, à qui s'adresse-t-il? Quelle est sa durée? Et où est-ce qu'il sera assuré? Et par qui il sera assuré? Le format de notre certificat, donc, est un format qui s'étale sur 6 mois et notre cible, ce sont tous ces dirigeants d'entreprise leaders désirant d'en s'outiller pour mieux piloter les changements de leur entreprise. Ça s'adresse à des cadres d'entreprise qui souhaitent aussi se développer, développer de nouvelles compétences managériales et gagner, je dirais, en impact pour avancer non seulement dans leur carrière, mais faire aussi avancer, je dirais, leurs équipes. Donc, il ne s'agit pas de booster vos carrières à vous uniquement, mais aussi, je dirais, de tirer dans votre sillage vos équipes. Le certificat Leadership et Management du Changement, donc quel est ce contenu, quel est son contenu et comment sera-t-il organisé? Donc, le format dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est 5 modules de 14 heures, donc c'est soit un total de 70 heures, donc c'est un week-end par mois, c'est le samedi et le dimanche, samedi toute la journée et dimanche toute la journée, et un module équivaut à une session. Donc, les samedis, on démarre généralement de 8h30 jusqu'à 12h, 13h, une heure pour manger, et on finalise à 17h30, et dimanche, idem. Donc, le certificat Leadership et Management du Changement a un contenu précis et des modules divers et diversifiés que je vais vous exposer maintenant. Le premier module porte sur le management de la complexité, les outils et l'esprit. Donc, quels sont les objectifs de ce module? Donc, c'est les objectifs de permettre aux participants d'analyser leur style managérial, donc se poser des questions. Quel est mon style managérial? Est-ce que j'ai le bon style managérial dans cet environnement changé en pleine mutation? S'interroger sur son cadre de référence face à la complexité. Est-ce que je mets donc la compétence qu'il faut? Est-ce que j'utilise l'outil qu'il faut pour gagner en efficacité et en confiance et bien entendu gérer, je dirais, avec beaucoup de fluidité au niveau de l'entreprise? Est-ce que aussi, là encore, l'un des objectifs, c'est de vous permettre de vous découvrir et de mettre en pratique des outils d'accompagnement des individus et des équipes, parce que vous n'êtes pas le seul concerné, mais c'est aussi toutes vos équipes et toute votre organisation qui est concernée donc par, je dirais, la complexité et par quel style managérial, à quel style managérial je dois faire appel pour, je dirais, gagner en efficacité et en confiance. Le contenu du premier module, donc, vous avez différents chapitres, donc la complexité, les success stories d'aujourd'hui et les clés de la réussite. Tout à l'heure, je vous ai dit que nos intervenants étaient aussi des praticiens. Et donc, notre démarche, c'est « learning by doing ». C'est d'avoir un côté, bien entendu, théorique, qu'on va vous expliquer, mais je dirais, l'application pratique doit passer par des études de cas, par des success stories. Et je dois dire que dans le cadre des success stories d'aujourd'hui, dans cet environnement complexe et depuis cette crise Covid, vous l'avez certainement remarqué, ce ne sont pas toujours les multinationales, je dirais, qui sont toujours présentes et qui ont été les plus performantes lors de cette crise que le monde a connue, mais c'était l'occasion aussi pour d'autres entreprises d'émerger et d'émerger très très vite et rapidement et de gagner, je dirais, en réussite et de gagner en performance puisque nous avons assisté à la création de vraies success stories. Et donc,
Un des chapitres importants, c'est le management du sens. Donc, comment donner sens à ce que je fais, à ce que je fais au niveau de mon entreprise, comment gagner en autonomie et gagner en responsabilité et aussi en accomplissement. Et donc, quel outil d'accompagnement collectif je dois mettre en place pour coacher mes équipes. Et donc là, c'est tout ce qui est coaching d'équipe et tout ce qui est team building. Et bien entendu, tout ce qui est coaching d'organisation et intelligence collective systémique. Et bien entendu, est-ce que la culture d'entreprise est une dimension très importante dans ce premier module, puisque toute entreprise a une culture. Maintenant, est-ce qu'elle est alignée avec ce que les équipes demandent? Est-ce qu'il y a une cohésion au niveau du groupe? Est-ce que, bien entendu, cette culture d'entreprise est alignée aussi avec cet environnement complexe dans lequel nous évoluons. Le deuxième module, quant à lui, va traiter donc du management du changement et accompagnement de la performance. Deux mots importants ici, le changement et la performance. Et les objectifs de ce module, c'est comment intégrer le changement et l'innovation comme élément moteur, booster de la dynamique et de la performance d'organisation. Nous ne pouvons plus avancer sans mettre en avant l'innovation au centre de ce que nous faisons et sans donc aller bousculer nos habitudes et de nous dire que le monde autour de nous change et donc nos habitudes managériales, nos habitudes bien entendu en tant que dirigeant doivent aussi changer. L'accompagnement, le changement et les résistances en intelligence collective et situationnelle. Bien entendu, il y a de la résistance que nous rencontrons très souvent. Ça vient soit de nous, soit de nos équipes. Pourquoi ? Parce qu'il est très difficile de sortir de sa zone de confort et se dire, bon, maintenant, je vais changer ma façon de faire et je vais donc innover et mieux apporter. Et pourtant, nous sommes tous créatifs et l'innovation, elle fait partie, donc, des compétences que tout un chacun a et tout un chacun peut mettre en place. Et bien entendu, il y a le pilotage de la performance et le développement de l'agilité en entreprise, puisque l'agilité maintenant est au cœur aussi des entreprises et ce sont les entreprises agiles et qui réagissent très très vite au changement qui vont pouvoir avancer et gagner, je dirais, en compétences et en puissance. Le contenu de ce module, donc vous avez un chapitre sur le change management, vous avez donc un chapitre où on va vous dire et on va vous montrer et on va vous accompagner, c'est comment diagnostiquer ce changement, comment apporter le changement au sein de vos entreprises ou de vos départements ou de vos business units, la créativité, l'innovation comme étant donc pour dépasser les résistances au changement, quels sont les types donc de changements que nous pouvons apporter, est-ce que c'est le type numéro 1 qui convient le mieux, est-ce que c'est le type numéro 2, les différents niveaux de logique de sens, le pilotage de la performance en intelligence collective et bien entendu l'intelligence situationnelle au service de l'agilité dont on a parlé donc lors de la présentation des objectifs de ce module. Le troisième module, quant à lui, portera sur le style de leadership et posture managériale. Donc, quels sont les objectifs de ce module? Les objectifs, c'est de vous permettre d'identifier les différents styles de leadership. Il n'y a pas qu'un seul type de leadership, il y en a beaucoup. Maintenant, vous faites très probablement appel au style numéro 1, plus que le numéro 2. Mais est-ce que vous sortez le style qu'il faut au moment où il le faut et dans le contexte qu'il faut? Donc ça, c'est quelque chose sur laquelle vous allez être interpellé. Donc l'autre objectif, c'est de vous permettre de diagnostiquer votre style de leadership au regard des situations. Vous savez que vous êtes comme un magicien qui va sortir une baguette, qui va faire comme un prestataire, qui va faire un tour selon la situation dans laquelle il va se retrouver. Et bien entendu, donc, là encore, le troisième objectif va porter sur tout ce qui est posture managériale. Quelle est ma posture? Nous allons vous interpeller sur vos postures managériales. Quelle est ma posture managériale? Quelle est la posture managériale que je dois mettre en avant pour mieux m'affirmer et affirmer mon leadership à travers donc mon savoir, mon savoir-faire et mon savoir-être? Le troisième module dont je viens de dérouler les objectifs a un contenu. Donc, au niveau des différents chapitres, vous avez un chapitre sur le leadership et le management. Donc, quelle est la différence entre management et leadership? Est-ce que le leader est nécessairement un manager? Est-ce que le manager est nécessairement un leader? Pas du tout. Donc, vous allez voir la différence et c'est très important. Le leadership, les différents courants, donc les styles de leadership, l'intelligence situationnelle, le leadership transactionnel,
professionnelle, quel plan d'action déployer et mettre en place aussi pour développer mon leadership, parce que des fois, le leadership est là, mais nous ne le ressortons pas assez. Et donc là, est-ce qu'il y a un plan d'action, est-ce qu'il y a des stratégies pour développer le leadership? Donc, ce sont autant de questions auxquelles nos intervenants vont essayer donc de répondre à travers ce module. Et le quatrième module, c'est, portera sur l'efficacité personnelle, professionnelle et bien-être en entreprise. C'est un module qui est très, très important et dont les objectifs vous permettront de mieux vous connaître pour déployer votre potentiel et celui de vos collaborateurs. Mieux connaître les collaborateurs pour travailler en intelligence collective et aussi intégrer le bien-être au niveau et au cœur des préoccupations managériales. Vous savez que quand vous menez un projet personnel ou un projet professionnel, disons, le projet professionnel est aussi lié au bien-être personnel. Et donc, les deux vont, je dirais, en parallèle. Et c'est très important de mieux vous connaître pour connaître vos collaborateurs. Vous ne pouvez pas avancer avec une équipe si vous ne connaissez pas vous-même, si vous ne connaissez pas votre potentiel, si vous ne sortez pas là encore, je dirais, l'outil qu'il faut pour faire évoluer, pour évoluer vous-même et faire évoluer vos collaborateurs, parce que dans une structure, nous ne sommes pas tout seuls. Nous n'avançons pas tout seuls. Et donc, pour mieux connaître les collaborateurs, il faut travailler aussi en intelligence collective. Il faut intégrer le bien-être du vôtre, le vôtre et celui des collaborateurs, qui devient maintenant, le bien-être est une notion très importante qui est au centre des préoccupations managériales des leaders, donc au niveau des entreprises internationales, nationales, locales ou régionales. Et donc, le contenu de ce quatrième module va porter sur le développement personnel et la performance professionnelle, la connaissance de soi et la connaissance des autres, la carte d'identité managériale, de la même manière que nous avons une carte d'identité nationale, on a tous une carte d'identité managériale, un ADN managériel qui peut être différent des uns et des autres. Comment gérer les conflits? Est-ce que vous l'avez très certainement vu pendant cette crise Covid, en tout cas pour ceux qui sont en entreprise et qui sont retournés au travail, on a bien vu qu'il y avait une fragilité psychique chez certains des collaborateurs. Nous avons vécu aussi une fragilité sociale et économique pendant ces 3 mois de confinement où nous étions donc enfermés, où tout un chacun se posait des questions par rapport à son devenir, par rapport au devenir de son entreprise. Certaines entreprises étaient carrément arrêtées, ceux qui travaillent avec l'étranger, qui ont besoin de transport, etc., etc. Et donc là, quelle est la boîte à outils? Donc, il y a une boîte à outils, comme je dirais, comme un constructeur. Vous allez donc sortir l'outil, vous allez sortir l'outil nécessaire donc pour et intégrer cette identité et cette casquette de manager coach, parce que vous transformez d'un manager qui a des objectifs à atteindre à aussi de quelqu'un qui doit se soucier de l'équipe qui est là, de son bien-être, de son état psychique, de sa façon de réfléchir et de comment est-ce qu'elle est en phase. Tout à l'heure, on a parlé de la cohésion avec ce que demande l'entreprise, ce que demande son manager et son coach ou pas. Et donc là, on va parler beaucoup de bien-être individuel et collectif en entreprise. Le cinquième module et le dernier module concernent la révolution numérique et l'agilité en entreprise. Tout à l'heure, on a parlé de l'agilité, on a parlé de l'innovation. Là, on va parler de la révolution numérique. Ce que nous sommes en train de faire est une révolution numérique, dans le sens où avant, pour faire cette présentation, je devais aller dans les villes, nous devions aller dans les villes pour vous présenter donc notre institution, notre offre diplômante et certifiante. Mais là, vous êtes à Casablanca, je suis à Tanger, quelqu'un d'autre est à Meknès, nous avons des personnes de Agadir, etc. Donc, vous voyez que c'est grâce à cette révolution numérique que nous pouvons aussi, je dirais, interagir et nous pouvons échanger, donc à travers ce petit écran qui est notre PC. Donc, les objectifs du module, c'est saisir la révolution numérique comme étant un levier de croissance, comme étant un booster de mon travail, un booster, je dirais, de ma carrière, et donc, je dirais, faire tomber les résistances. Tout à l'heure, on a parlé de la résistance au changement, et donc, c'est normal, les personnes sont dans une enveloppe, je dirais, dans une zone de confort et dans une enveloppe à laquelle ils sont habitués, et c'est très, très difficile de changer. On n'a pas tous la confiance nécessaire pour se dire, j'y vais et je vais voir ce que ça va donner. Et donc,
intégrer la créativité et l'innovation dans notre style managérial pour nous adapter à ce contexte est très important. Fédérer aussi les individus et les équipes, donc non seulement les former, non seulement les convaincre, mais il faut les fédérer. Il faut bien sûr qu'ils soient OK, il faut qu'ils soient d'accord avec cette façon de faire et peut-être les écouter aussi. Ils ont quelque chose à apporter et quand il y a l'écoute et l'interaction et l'interactivité, bah, fatalement, vous allez soit réussir à les convaincre, soit c'est eux qui vont réussir à vous convaincre. Et donc, ça démontre quand même que la révolution numérique est au centre aussi de l'agilité au niveau de l'entreprise. Alors, le contenu, je dirais, les différents donc, points qui seront abordés lors de ce module qui portera sur la révolution numérique et l'agilité en entreprise, c'est d'abord, qu'est-ce que l'agilité ? Donc, quels sont les leviers de l'agilité ? Qu'est-ce que la révolution numérique ? Comment elle se présente ? Quels sont les outils ? Quelles sont les problématiques qu'elle apporte avec elle ? Parce qu'une révolution n'est pas toujours une bonne chose. La révolution française, elle s'est faite dans le sang. La révolution américaine, toutes les révolutions se sont faites d'abord dans la douleur avant d'aboutir et d'accoucher vers quelque chose d'important. Les innovations technologiques et l'agilité de l'entreprise, l'innovation est aussi quelque chose de très important. Tout à l'heure, on a parlé de la capacité du leader à tracer la route pour, je dirais, son équipe et ce qu'on appellerait les followers. Et donc, une fois que vous avez mis ça en place, eh bien, toute l'équipe va vous suivre sans vraiment beaucoup d'efforts. Le processus créatif, donc au service du management et de l'innovation, c'est lors de crise que la créativité de certains de nos collaborateurs, la nôtre et celle des autres, apparaît à la surface. Et quand on parle de révolution numérique, d'agilité, d'innovation, de créativité, ça ne veut pas dire que l'humain n'existe plus. L'humain, c'est l'instigateur, c'est lui qui a démarré cette révolution numérique. C'est lui qui a mis en place des outils, c'est lui qui a conquis le monde avec de nouvelles compétences. Et donc, fatalement, sans l'humain, cette révolution numérique n'aurait pas été possible. Et puis, bien sûr, on va parler d'agilité et de management de la complexité ou l'agilité face à la complexité. Et rappelez-vous le premier et le deuxième module où on a parlé de changement et de complexité. Donc voilà pour ce qui est, je dirais, du contenu de ce certificat et ce que vous allez apprendre donc avec les différents intervenants que vous allez avoir. Maintenant, le certificat Leadership et Management du Changement, comment est-ce que les candidats sont évalués pour obtenir les certificats ? Très souvent, on vient nous voir pour nous dire, mais écoutez, moi, je suis le certificat pour avoir donc... je dirais une expertise, une expérience, c'est une expérience pour moi, pour acquérir de nouvelles compétences. Mais pourquoi est-ce que je dois être évaluée ? Moi, je ne suis pas à la fac, je ne suis pas à l'école. Vous savez que toute évaluation ne veut pas dire uniquement examen. On ne parle pas d'examen, mais l'évaluation, ça va vous permettre, bien entendu, de mettre, je dirais, en rapport et donc de permettre à tous ces modules de s'imbriguer les uns et les autres, et votre formation prendra tout son sens. Et vous allez voir que, ah tiens, ben, j'avais besoin du module 1 pour pouvoir comprendre le module 2, j'avais ce dont a parlé mon intervenant au niveau de la complexité, au niveau du premier module, ben, je vais le retrouver, il va prendre tout son sens, et je vais le retrouver dans l'étude de cas que je vais avoir au niveau du cinquième module qui va parler de l'innovation, qui va bousculer les habitudes, etc. Et donc, c'est très important que ces acquis théoriques soient à un certain moment, je dirais, non pas bousculé, mais soit interpellé pour être sûr et certain que vous avez vraiment profité de votre formation, et vous allez profiter, j'en suis certaine, parce que ce certificat-là, je dirais, je le dis, allez, c'est l'un de mes préférés parce qu'il est vraiment extraordinaire, il est en profondeur, et justement, il nous permet à tous de nous poser les bonnes questions. Et pour nous poser ces bonnes questions, on doit passer aussi par une évaluation. Nous respectons beaucoup nos participants, les personnes qui viennent, qui donnent de leur temps, qui vont payer, bien entendu, pour cette certification, ben, c'est des personnes qui doivent être aussi présentes dans la classe parce que c'est grâce à vous que, je dirais, cette certification va prendre son ampleur parce qu'au niveau de la classe, vous n'êtes pas seul. Il y a d'autres participants, c'est l'occasion de faire un réseau, d'accord ? Donc, c'est une occasion de réseautage. C'est une occasion de partager les best practices des uns et des autres. C'est une occasion de profiter des expériences des autres. Parce que vous savez, en classe, nous n'avons pas que des cadres managers leaders qui sont en entreprise industrielle ou en entreprise de service. Vous avez des ingénieurs, vous avez des médecins, des directeurs de clinique. Donc, c'est des secteurs assez différents qui vont enrichir cette formation.
Et donc, nous avons la présence qui est au centre donc, de ce que nous faisons aussi. C'est très important que vous soyez présent. Et je peux vous assurer qu'à quelques exceptions près, on a très, très, très peu d'absence lors, je dirais, de ces week-ends. Et puis, vous avez une évaluation écrite. Je ne parlerai pas d'examen, mais je dirais plutôt une évaluation écrite. Et donc, globale, qui va porter sur l'ensemble donc, des modules que vous aurez suivis. Et quelque chose de très important et d'extraordinaire, c'est la soutenance du projet, et je vais vous dire pourquoi ce projet. Donc, en plus, je dirais, des cours que vous allez suivre, je dirais des séminaires, ben, à la fin, chaque participant aura un projet à élaborer et une soutenance à faire devant ses camarades et un jury, bien sûr, qui est composé d'enseignants, mais aussi de professionnels. Et je vais donc parler là du projet, pourquoi le projet et quelles sont les finalités du projet. Le projet individuel tutoré, alors quand on parle de tutoré, c'est-à-dire que vous serez encadré. C'est vraiment une chance pour vous parce que tous ces enseignants qui vous ont suivi tout au long de cette formation vont pouvoir aussi vous encadrer pour votre projet. Et c'est vous qui allez donc décider du projet que vous voudriez éventuellement, traiter. Et vous allez avoir cette chance d'avoir des professionnels qui vont vous permettre donc d'approfondir, la problématique choisie et surtout qui vont apporter aussi de la valeur ajoutée et qui vont sortir le meilleur de vous au niveau de ce projet. Et donc, le projet tutoré, pourquoi d'abord ce projet ? C'est l'occasion de mettre en pratique des concepts clés que vous avez étudiés et traités tout au long de ce certificat, d'approfondir une problématique qui vous a plus parlé ou qui revient, qui est liée à votre réalité professionnelle et à laquelle vous n'aviez pas trouvé de solution satisfaisante. Et bien, c'est l'occasion ou jamais maintenant de partager avec le groupe, de profiter des expériences des autres managers qui seront avec vous, mais surtout aussi du panel, d'intervenants que vous allez avoir. Et ça vous permettra carrément de personnaliser cette formation et de développer la compétence dont vous avez le plus besoin. C'est-à-dire que quelqu'un va dire, bah, écoutez, moi j'ai un problème, je ne sais pas déléguer. Au niveau de ma structure, j'ai une équipe, elle est excellente. Moi, je sais ce que je veux. Nous mettons en place un plan d'action et des stratégies, mais j'ai tellement peur de rater quelque chose que je suis toujours dans le contrôle. Aidez-moi à ne plus être dans le contrôle et plus avoir confiance dans l'équipe. Donc ça, c'est quelque chose aussi c'est juste un exemple. Et bien entendu, à travers ces projets, vous allez sortir fatalement avec une valeur ajoutée un peu plus accrue qu'une simple évaluation écrite ou orale. Alors, c'est quoi ce projet tutoré ? C'est un travail personnel. C'est vous-même qui allez décider, qui allez choisir votre sujet, par lequel le participant, vous allez mener donc une réflexion sur une problématique telle que l'exemple que je viens de vous donner. C'est un travail qui va intégrer l'ensemble des connaissances que vous allez pouvoir exploiter de manière à aboutir à un travail, de manière à construire et venir avec un livrable que vous allez utiliser plus tard au niveau de l'entreprise. Et il va très probablement vous aider dans votre quotidien et va vous aider à mieux construire et à mieux faire évoluer votre carrière. Et c'est aussi l'occasion de faire avancer un projet personnel ou une problématique. Certains d'entre vous, après 15 ans, 10 ans, aimeraient bien, partager, être dans le partage de ce qu'ils ont appris tout au long de ces années en entreprise. Vous allez peut-être aller vers du conseil, vous allez peut-être aller vers la création d'une entreprise, vous allez peut-être aller vers d'autres départements, vous allez changer de département, vous allez créer des business units, vous allez pouvoir faire du développement. Et donc, c'est l'occasion aussi, de mettre ce projet auquel vous pouvez peut-être penser au centre de votre, projet tutoré, que vous allez présenter au niveau de votre livrable. Ce sera peut-être le sujet de votre livrable. Donc, voilà pour ce qui est du projet. Le certificat, donc maintenant, il y a des conditions, bien sûr, d'accès à nos certificats. Donc, au-delà des prérequis, on fait une sélection et certains d'entre vous, dont j'ai vu les noms, je les ai appelés, je les ai eus donc en entretien et je leur ai posé ces questions. Et très souvent, on me disait, mais pourquoi vous me posez des questions ? Qu'est-ce que je fais ? Pourquoi je m'intéresse à ce certificat ? Est-ce que vous n'avez pas envie de vendre ? Non, nous n'avons pas envie de vendre. Nous avons envie de proposer le certificat adéquat à la personne adéquate et d'évaluer et d'être sûr et certain que ce que vous allez donc suivre
va vous aider dans votre carrière, dans votre quotidien, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel. Et donc, effectivement, on va vous poser quelques questions. On va s'assurer aussi qu'à travers un dossier de candidature, que ce certificat vous convient et que ce n'est pas un autre certificat ou une autre formation qui vous conviendrait le plus. Et donc, bien entendu, je dirais, il y a des choses administratives qui sont importantes, telles que la demande manuscrite, la photocopie de votre expérience professionnelle, diplôme ou autre, lettre de motivation et bien entendu la CIN, parce que c'est important aussi de mettre, je dirais, votre nom exact sur le certificat qu'on va vous donner. Donc on a besoin effectivement de votre CIN. Alors, pour information, donc moi je viens au terme, donc j'arrive au terme de cette présentation, et pour information, nous avons d'autres certificats tels que le certificat marketing digital, le certificat RH étalon qui sont en cours, et un autre certificat donc finalisé qui est le certificat IFRS. Bon, ça c'est juste pour information, et je l'ai dit tout à l'heure, nous avons donc des formations certifiantes, diplômantes et aussi des formations à la carte. Et donc, voilà, j'ai beaucoup parlé. Maintenant, je vais vous céder la parole. N'hésitez pas donc à poser vos questions. Nous sommes là pour vous répondre. Et n'hésitez pas aussi donc de prendre le numéro de téléphone de mes collègues qui se feront un plaisir donc de vous envoyer, je dirais, les brochures. Ou si vous avez besoin de cette présentation, n'hésitez pas aussi à me contacter, soit par mail, soit par téléphone. Et je me ferai un plaisir donc de partager avec vous. Voilà. Merci pour votre attention. La parole est à vous et donc je vous écoute, messieurs, dames. N'hésitez pas à prendre la parole. Je ne vais pas désigner. Hein. Faites comme vous le sentez. Toutes les personnes qui estiment avoir besoin de poser des questions, vous n'hésitez pas. Alors, nous avons des retardataires qui nous rejoignent, mais nous avons pratiquement finalisé, je dirais, notre présentation. Allez-y, messieurs, dames, je vous écoute. Pas de questions? Madame Lamrani, vous avez besoin de passer des messages à nos participants? Bonjour. Bonjour. Bonjour, Edouard. Oui, bien sûr, allez-y. Allez-y. Nadia Ouzoumno. Oui, je vous écoute, allez-y. Voilà, donc j'ai suivi avec patience votre intervention. Elle était pertinente, excellente. Vous avez tout bien expliqué. J'ai pu avoir les renseignements que je cherchais. Donc, merci beaucoup. Sauf que je n'ai pas eu une idée des tarifs, s'il vous plaît. Oui. Et des modalités de suivi de cours. Est-ce que ça va être 100% présentiel ou bien des parties en présentiel et des parties à distance? Non, nous avons du 100% présentiel. Par contre, effectivement, nous avons donc certains participants qui demandent sur un week-end ou deux à suivre la formation en distanciel. C'est possible, mais en tout cas, nous sommes à l'institution, à HUM Casablanca, les enseignants, les intervenants sont présents dans la salle et je vous cache pas que jusqu'à présent sur l'ensemble des certificats, nous avons eu vraiment sur la totalité une ou deux personnes qui ont suivi en distanciel, mais une partie. C'est-à-dire que c'est du 100% présentiel, mais nous donnons aux personnes qui sont dans d'autres villes, qui ont des contraintes, la possibilité de suivre en distanciel. C'est votre choix, pas le nôtre. Nous, ce sont donc des formations, des certificats en présentiel. D'accord, et c'est sur Casablanca. Sur Casablanca, avec bien entendu, je dirais, toutes, je dirais, les conditions nécessaires, bien entendu sanitaires aussi, pour un environnement safe pour nos participants. Alors, elles peuvent être déployées sur d'autres villes à condition d'avoir le nombre de personnes nécessaires. C'est-à-dire, on ne va pas déplacer 6 intervenants pour une ou deux personnes. Mais par contre, pour une quinzaine, on pourrait éventuellement considérer la chose. Pourquoi pas? D'accord. Vous êtes dans quelle ville, madame? Et les tarifs, s'il vous plaît? Les tarifs, s'il vous plaît? Vous êtes dans quelle ville, madame? Je suis de Marrakech. De Marrakech. On a des personnes qui viennent de Agadir, de Marrakech. C'est un week-end par mois. Le tarif est de 15 000 dirhams pour le certificat. 15 000 dirhams pour le certificat. Le tarif est de 15 000 dirhams. Dans un premier temps, vous payez 2 000 dirhams donc, de frais de préinscription et 6 500 dirhams donc, au démarrage et 6 500 dirhams plus tard, donc au troisième mois. Voilà.
Merci beaucoup. Merci à vous. Vous savez que pour les personnes qui sont dans les autres villes, il y a même une dynamique qui s'est installée maintenant. Et on a très souvent 2-3 personnes qui viennent de Marrakech, 3-4 personnes qui viennent de Tanger et de Fès. Et ils viennent ensemble. Hein. C'est maintenant, ils font du covoiturage. Donc voilà. Oui, monsieur, je vous écoute. Allez-y. Oui, bon. Ça va, vous allez bien. J'espère, comme je vous ai dit, et comme on a dit, présentation, elle a été très claire par rapport aux objectifs de la formation, mais est-ce que par rapport à une même pédagogie, est-ce que ça ne serait pas différent entre présentiel et du distanciel, surtout à travers une évolution qu'on connaît aujourd'hui, est-ce que ça ne serait pas bien évident à travers du digital ou à travers une formation comme la vôtre, d'un petit peu d'interpréter entre les deux modes de formation. Merci. C'est-à-dire que même si vous voulez suivre cette formation en 100% distanciel, ce sera votre choix. Vous pouvez rester dans votre salon, vous connecter. Donc, on a la plateforme, on a tout ce qu'il faut. Et même, c'est hautement interactif parce que, bon, vous le savez très, très bien. Maintenant, la caméra, elle vous permet d'interagir, de voir le groupe, de zoomer sur le tableau, de voir le tableau. Les documents sont en partage. Vous pouvez aussi voir votre enseignant. Il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, nous ne faisons pas du distanciel. On n'offre pas cette formation en distanciel. Elle est en présentiel à HUM, mais bien entendu, vous pouvez la suivre en distanciel. Mais c'est-à-dire que nous ne disons pas c'est une formation à 100% en distanciel. Non, c'est une formation à 100% en présentiel. Mais si vous n'avez pas la possibilité d'être présent sur Casablanca, mais vous n'aurez strictement rien perdu, puisque elle est interactive. Vous pouvez suivre, vous pouvez, je dirais même travailler en groupe, vous pouvez interpeller l'enseignant, vous pouvez l'arrêter, vous pouvez interagir, vous pourrez répondre. Et même l'enseignant, il s'assure que vous êtes de l'autre côté, il s'adresse à vous, vous le voyez et vous voyez l'ensemble de la classe. C'est-à-dire que le distanciel, c'est un choix des personnes. D'accord, parfait, puisque même le nom de la formation, quand on dit management du changement, on est dans un contexte avec du changement, même par rapport aux méthodologies de communication, par rapport aux méthodologies de formation. C'est pour ça que ma question, elle était par rapport à ça. Mais puisque vous avez répondu, donc voilà, ok. Merci. Le changement ne veut pas dire nécessairement que nous devons offrir des formations en distanciel. Mais je dois vous assurer et je dois aussi vous avouer que nous sommes en train de penser à un certificat totalement en distanciel parce que nous avons aussi des personnes d'Afrique qui nous sollicitent. Nous avons même eu sur 2 certificats 2 personnes qui sont aux États-Unis, qui sont aussi donc à Dubaï, qui voudraient suivre en distanciel. C'est quelque chose qui est rendu possible, mais ce n'est pas un certificat 100% en distanciel parce que il y a le management du changement, il y a le leadership, il y a la complexité, il y a l'interaction, il y a connaître l'autre, mieux se connaître, il y a les best practices. Il y a l'échange d'expériences et donc fatalement ça passe. Et il y a l'humain. Regardez, il y a tout un module sur la place de l'humain, le bien-être au travail. Donc effectivement, donc on a besoin encore du contact. Mais ça ne veut pas dire que si vous êtes à Agadir ou ailleurs, vous n'allez pas profiter de cette formation de la même manière. Bien au contraire. Mais c'est votre choix. D'accord, parfait. Merci beaucoup. Très bonne soirée. C'est moi, monsieur. Je vous en prie. D'autres questions? Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Présentez-vous, s'il vous plaît. C'est Nordjin Fennan. Oui, monsieur Fennan. Merci beaucoup déjà pour la qualité de cette intervention. Vous avez répondu à toutes nos ambiguïtés et questions. Au départ, moi, j'étais intéressé par cette formation, par ce certificat, le management de changement. Mais après que j'ai vu que vous avez... Il y a le leadership aussi... et le management de changement. C'est deux composantes très, très présentes au niveau du certificat. Oui. Mm-hmm. Mais après que j'ai vu qu'il y a aussi un certificat en marketing digital, du coup, j'ai switché d'avis et je veux faire celle... Je voudrais faire le certificat de marketing digital. Et ma question, c'est est-ce que vous prévoyez d'organiser une prochaine intervention sur ce certificat pour expliquer aussi les détails des modules et tout? Oui, si vous rentrez sur notre site, vous allez trouver donc l'information concernant l'InfoTeams qui sera organisée pour le marketing digital, donc dans pas longtemps. Il faut juste vous inscrire
et vous allez donc pouvoir suivre, donc, je dirais, la présentation de la même manière que vous avez suivi celle-ci. Maintenant aussi, vous pouvez, donc, vous avez laissé vos coordonnées et vous pouvez très bien, au niveau donc, de notre CRM, si vous avez rentré vos données, on va vous appeler donc, pour je dirais, conduire votre interview. Et à ce moment-là, c'est moi-même qui vais vous appeler et vous allez me dire, Madame Dhou, moi, j'aimerais bien donc, avoir plus d'informations concernant le certificat donc, marketing digital. Vous avez déjà sur notre site l'ensemble, je dirais, des modules qui sont explicités. Mais bien entendu, c'est votre droit le plus absolu. Et ça arrive. Hein. Vous savez qu'on a beaucoup de gens entre le marketing digital. On a même quelqu'un qui est maintenant inscrit au niveau du marketing digital qui demande aussi à faire ce certificat. Parce que pour eux, ils vont de go. Les deux certificats se valent et les deux certificats sont très importants et sont complémentaires les uns des autres. Voilà. Oui, super. Mais vu que moi, je bosse dans le marketing, du coup, j'aimerais bien commencer par le marketing digital. Oui, et après, par la suite, je pourrais aussi faire le change management. Oui, d'accord. Il n'y a aucun problème. Mais de toute façon, vous savez, à un certain moment dans votre carrière, vous avez besoin de ces outils-là. C'est clair, net et précis. Donc, je vous le dis par expérience. Vous allez pouvoir aussi utiliser ce type de formation pour mieux évoluer au niveau de votre carrière. Mais c'est vrai que bon… D'ailleurs, le certificat marketing digital a démarré le 6 mars, juste dernièrement. Donc, il y en aura un autre. Je ne peux en aucun cas vous dire quand exactement. Nous n'avons pas encore fixé la date, alors que pour le certificat leadership et management de changement, ce sera le week-end donc, du 27. Donc, c'est juste pour vous dire que pour cette date, pour ce certificat, la date est fixée. Pour le marketing digital, on vient juste donc, de finaliser le premier module et un deuxième, un quatrième, je dirais, certificat marketing digital va démarrer incessamment. Je ne peux pas dire incessamment sous peu, mais en tout cas, je dirais dans les deux mois à venir, une fois qu'on aura constitué le groupe. Parce qu'il est très important, je le dis, et ça répond aussi peut-être aux questions de madame et de monsieur de tout à l'heure. Alors, je dirais la dynamique de groupe, c'est la chose la plus importante. Vous devez travailler en groupe, vous devez échanger, vous devez interpeller. Donc, comment on peut le faire si on a deux ou trois personnes en classe, la dynamique ne sera pas rendue possible. C'est normal, il faut avoir un minimum de personnes. Voilà, pour pouvoir en profiter, c'est pour vous, hein, mais nous, exactement. Un, deux ou plus, c'est pour nous, c'est du pareil. Exactement. Voilà. Et comme vous avez dit tout à l'heure, c'est une très belle occasion pour faire du réseautage. C'est aussi une opportunité pour partager nos expériences. Et oui, moi, surtout, je vais vous dire. Qu'on travaille dans plusieurs secteurs différents. Voilà. Du coup, ça va être rajouté pour tout le groupe. Exactement, et vous savez que moi j'ai une personne qui est venue dans mon bureau pour me dire écoutez, je n'ai pas regretté d'avoir fait ce certificat, c'était un autre certificat, car je viens de trouver du travail. Voilà. Donc le réseau est important, le réseau est très important. Exactement. Voilà, monsieur. C'est un plaisir, merci beaucoup. C'est le plaisir partagé. C'est moi qui vous remercie vraiment d'être là, présent à cette présentation. D'autres questions, messieurs, dames? Ne soyez pas timides, on est là pour échanger entre nous. Hein. Moi, je suis là le temps qu'il faut. Oui, bonsoir. Donc, c'est toujours allez. Moi. Donc, oui. je voulais aussi savoir comment on saura si on est éligible de suivre cette formation ou pas. Oui, je vous ai tout à l'heure, donc je dirais, voilà, j'ai exposé les conditions d'éligibilité. Donc déjà la cible, donc c'est les dirigeants d'entreprise, les cadres d'entreprise qui souhaitent développer leurs compétences managériales et qui veulent mieux s'outiller pour piloter donc, les changements au niveau de l'entreprise. Et donc, pour être éligible, c'est très, très simple. Je vais repartir sur les conditions d'admission. Voilà. Donc, c'est un dossier de sélection, une demande de candidature, une photocopie, lettre de motivation, une photocopie donc de la carte nationale. Bien sûr, les prérequis pédagogiques, c'est important. Et moi, je vais conduire avec vous donc en entretien et on va discuter de qu'est-ce que vous attendez de cette formation, quels sont vos prérequis, est-ce que vous avez déjà formulé votre demande, est-ce que vous savez ce que vous voulez à travers cette formation, est-ce que cette formation correspond, je dirais, à ce que vous faites au niveau de l'entreprise et à vos objectifs d'évolution au niveau de l'entreprise. Vous venez de le voir, monsieur était donc sur cette formation et puis il s'est rendu compte que peut-être il aurait plus besoin d'autres outils. Et donc, c'est à moi, à travers un entretien oral, je dirais, c'est à nous deux de déterminer est-ce qu'effectivement c'est fait pour vous ou pas.
mais vous avez très probablement une idée. Si vous êtes là, vous avez assisté à cette présentation, c'est que vous estimez que vous avez besoin d'acquérir ces outils et ces compétences pour mieux évoluer, pour mieux, je dirais, vous affirmer au niveau de l'entreprise, pour mieux impacter et peut-être pour acquérir ces postures de leader, de manager, porteur de sens, de personne qui va tirer vers le haut, qui va aussi être interpellé sur l'innovation, sur le bien-être. Donc, vous devez très probablement, on ne demande pas un doctorat pour suivre ce mais il y a un strict minimum, d'abord la langue qui va vous permettre de suivre, les prérequis pédagogiques, quelqu'un déjà, il y a certaines personnes qui sont éliminées d'office, quelqu'un qui a un bac plus 2, il est trop jeune et il n'a pas encore de prérequis nécessaires ou essentiels, sauf s'il a une grande expérience en entreprise. Vous savez, on a eu d'excellents managers avec une très très grande expérience et comme vous le savez, l'histoire et l'historique et l'expérience fait que les managers deviennent bons. Voilà. Tout à fait, merci beaucoup. C'est moi, madame. D'autres questions? Tout à l'heure, quelqu'un voulait poser une question? Il y a eu un télescopage? Oui, bonsoir. Bonsoir. Je suis Soumia Qureishi. Malheureusement, on n'a pas eu encore l'occasion de s'entretenir. En fait, pour moi, tout ce qui est toutes les compétences que vous avez présentées me semblent très intéressantes. Sauf que moi, c'est un peu différent parce que là, je ne suis pas en milieu d'entreprise. Je travaille dans une fondation et pourquoi j'ai postulé? Parce que j'ai besoin de toutes ces compétences pour gérer pour dynamiser des collaborations oui. au sein des territoires. Où plusieurs parties prenantes seront impliquées, des institutionnels, de la société civile, du privé, etc. Et là, autant que catalyseur, j'ai besoin de toutes ces compétences justement managériales un peu empruntées au monde de l'entreprise pour pouvoir construire des projets territoriaux. Voilà. Maintenant, après avoir assisté à cette présentation, je me dis, est-ce que c'est adapté? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait m'aider dans mon projet? Voilà. Alors, pendant que vous posiez votre question, moi, j'ai déployé, je dirais, la présentation. Je me suis arrêtée à ce premier module, management de la complexité, l'esprit et les outils. Quels sont les objectifs? C'est d'analyser votre style managériel. Dans un environnement qui est complexe. Qui dit complexité dit un environnement différent. Est-ce que travailler avec une association à Wurzazet reviendrait à travailler, est-ce que c'est la même chose que de travailler avec une association qui est sur Casablanca? Qui dit Wurzazet dit automatiquement des régions excentrées, aller sur le terrain, faire de la proximité, etc. Casablanca, c'est exactement la même chose, faire de la proximité, mais vous n'êtes pas dans un environnement excentré, vous êtes dans un environnement extrêmement urbain. Et donc, vous interrogez votre cadre de référence pour être plus efficace et gagner en confiance. Mais l'efficacité, ce n'est pas uniquement la vôtre, c'est celle aussi des personnes qui sont en face. Et vous allez découvrir et mettre en pratique des outils spécifiques d'accompagnement et des individus, et des équipes, et des organisations dans un environnement qui n'est pas toujours le même. Voilà. Ça correspond, excusez-moi, ça correspond vraiment au projet que nous souhaitons mettre en place au niveau des territoires. Sauf qu'aujourd'hui, au lieu, ici dans votre présentation, au lieu d'avoir des collaborateurs, moi, je serais amenée à gérer un institutionnel, quelqu'un de la région, quelqu'un du CRI, voilà. On va dire collaborateur de la même manière que je pourrais dire des vis-à-vis. C'est l'administration en face. L'administration, c'est une entité. Les collaborateurs, c'est une entité. On parle de nos entreprises, mais vous êtes sur le terrain. Ben, c'est autant d'entreprises avec lesquelles vous allez travailler. Donc, le CRI, c'est une entité. C'est un type de collaboration. Et regardez au niveau, je dirais, la complexité, elle est au centre de ce module. C'est pour ça qu'on l'a mis en premier. C'est l'un des modules les plus importants. Le management du sens. Comment si vous êtes autonome, ça veut dire que les autres, ça ne veut pas nécessairement dire que les vis-à-vis que vous avez, avec lesquels vous travaillez, sont autonomes. Le sens des responsabilités, l'accomplissement. Je ne parle pas peut-être des séries qui sont bien organisées, mais je parle jamais.
Je parle de, voilà, je parle aussi de jma'a, je parle de l'association, je parle de l'INDH, je parle de beaucoup de choses. Voilà, donc ça, j'ai bien saisi votre job. Après, complexité, c'est déjà les institutions qui travaillent dans le développement social au Maroc, elles sont multiples et chacune elle a son, elle a sa, un peu son, sa façon de voir les choses, et les mettre autour d'une table avec des porteurs de projets d'innovation sociale et tout ça, et pouvoir catalyser les tout pour sortir avec un projet territorial qui soit pérenne, ça c'est le vrai challenge. Et du coup, c'est pour ça que j'ai pensé à ce certificat qui m'a dérouté un tout petit peu, c'est le mot entreprise. À chaque fois, je voyais le mot entreprise. Chauffe, l'entreprise, c'est un microcosme, d'accord, de notre société. Donc, ça peut être une fondation, ça peut être une association. Et d'ailleurs, je dois vous le dire, je dois l'avouer, il a quand même avec autant d'aisance à l'association Mouada, c'est parce qu'on a justement beaucoup de ces gens-là qui veulent faire ce certificat. Exactement. Alors, regardez les outils d'accompagnement collectif. Donc, on va vous donner des outils, on va vous partager avec vous des outils d'accompagnement collectif pour coacher des équipes. Alors, c'est ce que vous allez faire sur le terrain, le coaching d'équipe, le team building pour les ramener tous donc, autour de cette table dont vous parlez. Donc, la table, vous allez la rendre encore plus petite. Donc, c'est une grande table de réunion. À la fin, elle doit devenir beaucoup plus petite et le cercle va devenir encore plus petit. Et le coaching d'organisation en intelligence collective, c'est-à-dire que nous avons un dénominateur commun qui nous réunit. On est différents les uns des autres. Walakin, عندنا شي حاجة commune à réussir. Et voilà. Et donc, regardez, vous avez l'alignement et la cohésion de groupe. C'est là, c'est ici. Donc, tout ce module-là, déjà, il va mettre les prémices et les fondamentaux et les bases de ce que vous faites. Et ce qui va le plus vous aider, le diagnostic du changement, la créativité et votre style de leadership et de management. C'est le style 1 que je vais mettre en place. Est-ce que c'est le style 2? Est-ce que c'est le style 3? Quels sont les différents niveaux logiques de sens? Non, franchement, ça, s'il y a quelqu'un, ça, franchement, ce certificat, s'il doit servir à quelqu'un, c'est bien à des personnes comme vous, hein. Bah écoutez, et merci de m'interpeller sur ce mot d'entreprise. L'entreprise, la fondation, l'association. Une organisation, qu'elle soit commerciale, servicielle, effectivement. Oui. Voilà. C'est une organisation. Bah, écoutez, c'est vrai. Ouais, on se refait pas, hein, donc on est dans un endroit où on parle beaucoup de l'entreprise, mais vous avez totalement raison et vous avez bien fait de m'interpeller. Et je vous promets de changer donc ce mot au niveau de la présentation. Merci, madame. D'autres questions? Et donc, tout à l'heure, je parlais du réseau, des best practices, de ce que le groupe peut s'apporter, de la dynamique de groupe. Franchement, je suis heureuse. Regardez, donc c'est à Monsieur Finnan tout à l'heure. C'est chouf, tabarakallah, ma'ak lif l'associatif, ma'ak l'aide. Donc tout ça, ça va verser, je dirais, dans un objectif commun. C'est de vous donner une autre vision de comment manager, comment devenir leader, leader-manager ou manager-leader. D'autres questions, messieurs, dames? Tout à l'heure, vous parlez des... C'est toujours moi, c'est... Oui, c'est tout à l'heure, vous avez dit comme quoi ce certificat est ouvert aux dirigeants d'entreprise. Parce que moi, j'ai eu mon master Bac plus 5 en marketing en 2020. Et actuellement, je bosse au sein d'une multinationale en tant que brand manager. Donc, j'aimerais savoir, est-ce que je suis... Regardez. Non, je n'ai pas dit uniquement les dirigeants d'entreprise. Regardez la cible. Ce sont les dirigeants d'entreprise, les leaders désireux de s'outiller pour mieux piloter les changements, les cadres d'entreprise souhaitant développer de nouvelles compétences pour augmenter leur impact et avancer dans leur carrière. Ça s'adresse à toute personne qui a quand même un poste d'encadrement au niveau de l'entreprise. Ça fait si bien. Voilà. Merci. Bonsoir. Super. Voilà. D'autres questions?
Rebonsoir. Je suis aussi désolé de rebondir. Rebondissez tant que vous pouvez. Rien que le plafond. Allez-y. Mais comme vous avez dit, là, on est sur un certificat de leadership. Et là, comme je vous ai dit tout à l'heure, on est sur un contexte assez exceptionnel. Et donc, on est parfois sur un leadership en digital, avec un mode digital, avec des réunions digitales, avec une communication qui n'est pas toujours... Marc, elle est digitale. J'aime bien. Eric, on parle... On est même arrivé à corriger le terme par rapport au numérique, je ne sais pas, par rapport au background, genre études, par rapport à ça. Mais aujourd'hui, des leaders ou des managers, comme vous avez dit, puisqu'il y a une différence, là, on est confronté aussi par rapport à ça. Donc, le certificat. Vous avez dit. Continuez, allez-y. Autre chose. Vous ne cherchez pas à vendre. Là, c'est pas l'objectif de vous discréditer, parce que la formation, je parle là, ou votre présentation, je suis preneur, très preneur. Mais là, est-ce que ça prend en compte la dimension de changement par rapport à ce que l'on vit, par rapport à ce qu'on, comment on va offrir cette formation, par rapport à, voilà, comme je vous ai dit, par rapport à comment offrir cette formation, mais aussi par rapport au changement que connaît notre monde. Tout simplement. Très bien. Alors, moi, je voudrais vous dire quelque chose de très important et très sérieusement. Ce certificat, c'est un mix et c'est une profondeur théorique et situationnelle et pratique. Regardez juste ce qui est écrit ici. Le leadership, management du changement, complexité, leadership, numérique, agilité. Outillez-vous pour mieux manager. Et donc, vous avez le digital, le numérique, l'agilité, la complexité. Maintenant, vous-même, dans le cadre de votre travail, vous êtes tout seul dans un endroit où vous tapotez sur votre ordinateur sans aucune interaction avec le monde extérieur. Est-ce que le digital est devenu tellement important qu'il est devenu le centre de nos vies ? Le digital, c'est un outil qui est là pour nous faciliter la tâche, booster notre façon de faire. C'est cet outil qui me permet de vous voir alors que vous êtes à Marrakech ou à Agadir. Vous savez que moi, je suis à Tanger actuellement. Donc, la présentation, elle se fait de Tanger. Donc, c'est un outil comme un autre, mais ça n'enlève en rien la profondeur de ce certificat qui porte et sur le management du changement, et sur le leadership, et sur le numérique, et sur l'agité, sur la transformation, sur le coaching. Tout ça est inclus dans cette formation. Donc, je ne peux pas dire que le digital, c'est le centre du monde et aide. Absolument pas. C'est un outil parmi tant d'autres. Je ne sais pas demain ce qu'il deviendra, ce digital. Peut-être que nous serions tellement introvertis, nous allons tellement aussi peut-être devenir d'autres personnes, Wada, qu'il prendra d'autres formes. Alors, le monde avance tellement vite que demain, on communiquera à travers autre chose. FaceTime, WhatsApp, d'abord, c'est un dinosaure. Facebook, c'est un dinosaure. Instagram, c'est un dinosaure. Et donc, vous comprenez, monsieur, il ne faut pas réduire ça uniquement. Le digital, c'est peut-être ce qui vous intéresse le plus, mais ce n'est pas uniquement, je dirais, le voilà. Ne vous entend pas, je suis désolée, Mackenzie. On vous entend pas. Merci beaucoup, c'était très clair, c'était une très bonne réponse, mais c'était juste par rapport à une dimension nouvelle. C'est pour ça que je vous posais cette question. Par rapport à ces certifications, où se poser ces certifications par rapport à notre dimension d'aujourd'hui, tout simplement. Allez totalement là-dedans. Regardez, renforcez votre style managérial, la complexité, le monde qui change. Regardez. La digital, il est présent. L'agilité, la digitalisation, regardez, la complexité, les responsabilités, l'accomplissement, l'innovation, accompagner le changement, développer. Regardez, le deuxième module va répondre à vos questions. Les objectifs du module,
intégrer le changement et l'innovation comme éléments moteurs, comme des boosters de la dynamique de la performance de l'organisation. Brina ou la karena, un akbar minnek, je ne suis pas très fan du digital et de hada, mais je suis en train d'abord de communiquer avec vous. Dieu merci, grâce, je dirais, au numérique. Accompagner le changement, les résistances en collectif, en intelligence collective, piloter la performance, développer l'agilité, tout ce que vous êtes en train de dire est dans le module 2. Effectivement, madame Anna, ma question c'était juste pour différencier, est-ce qu'on parlait d'un changement classique, d'un changement de manager, d'un changement d'organisation, d'un management de, ou bien par rapport à un management ou bien un changement qui est complètement différent. C'était tout simplement... Je suis la classique. Le classique est important. Le classique est très important. D'accord ? Il y a la théorie, il y a la base, il y a les fondamentaux. Mais il y a le reste aussi, il y a la transformation, il y a la transformation. Et donc, je pense qu'on va donner la parole à d'autres personnes parce que c'est très passionnel entre vous et moi. On s'arrête donc loin de la discussion. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et je reviens vers vous. Et j'espère avoir répondu quand même. Et regardez, si vous voulez, le contenu de cette présentation, là, je peux le partager. Et rassurez-vous, là, vous ne nous discréditez pas. Tu vois que là, c'est HEM ou 33 années. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres interventions? Allô? Oui, allô? Allez-y. Bonsoir, madame. Donc, moi, oui, c'est... bonsoir, monsieur. Moi, c'est Ouidraogo Idrissa. J'ai suivi avec attention votre présentation. Merci, monsieur. C'était très enrichissant et vraiment, tous les ingrédients y étaient pour mieux comprendre. En fait, mais moi, la toute petite conclusion que je me fais après vous avoir écouté, c'est que peut-être je suis trop jeune pour. Je vous dis déjà, en fait, qu'est-ce qui m'a motivé à vouloir cette certification? C'est déjà vous qui savez. Oui, tout à fait, c'est de ça que je parle. C'est-à-dire, en fait, moi, je suis un nouveau diplôme. Bon, pas tout à fait nouveau. J'ai juste un an et quelques mois d'expérience. J'ai fini en 2019. Et là, en fait, dès à présent, je pense à me lancer dans l'entreprise. J'ai même d'ailleurs initié un truc, mais sauf que c'est dans mon pays et je rencontre présentement des difficultés à gérer cela. En fait, ce qu'il me faut actuellement, c'est, si vous voulez, de la télégestion. J'ai amorcé presque une start-up dans mon pays. Voilà, je ne suis pas marocain. Donc, j'ai amorcé et là, je rencontre des difficultés à pouvoir gérer en étant ici. Parce que là, je travaille pour une société ici et en même temps, je suis un doctorant. Mm-hmm. Donc, il y a tout ça à gérer et je n'arrive pas à voir. Oui, monsieur Idrissa, si j'ai un conseil à vous donner, vous ne pouvez pas être partout et en même temps, je dirais, sans être nulle part. C'est clair. Donc, c'est à vous maintenant de vous poser. Est-ce que vous voulez finir le doctorat avant d'aller vers l'entreprise? Est-ce que vous voulez avoir... Et si vous êtes dans la direction, si vous avez initié un projet entre le Maroc et votre pays, je vous conseillerais d'aller vers une formation sur l'entrepreneuriat. Comment mieux gérer votre projet? Comment le réussir? Quelles sont donc les différentes, je dirais, activités annexes à ce projet? Comment le monter, le mieux lancer sur le plan juridique plutôt que ce genre de formation si vous n'avez pas d'équipe à gérer? Si vous n'êtes pas dans un environnement qui va vous permettre donc de mettre en pratique tout ce que vous aurez appris maintenant, c'est vous qui savez, monsieur. Moi, je dois être honnête avec vous. Voilà, mais ne vous éparpillez pas. En fait, je vous disais dès le début que je trouve que je suis trop jeune, en fait. Parce que faites d'autres formations, je vous encourage à le faire. Faites d'autres formations avant de revenir. Alors, vous savez, ces certificats, ils sont là, sous cette forme, sous d'autres formes. Vous reviendrez dans 2 ans, 3 ans, ça sera à vous de décider. Là, j'allais en venir, justement. Pour moi, en tout cas, pour le moment, je ne suis pas assez mûr pour, si vous voulez. Parfait. C'est votre conclusion, parfait. Oui. Voilà. Et donc, vu que j'ai déjà pris connaissance de la formation et tout, je crois que les bons moments se présenteront. En tout cas, je vous remercie très sincèrement. Je vous en prie.
Je vous souhaite qu'on se rencontre dans les... Merci beaucoup. Ben, n'hésitez pas à venir nous voir à Casablanca. Il y a toute une business unit qui est mise à votre disposition pour d'autres échanges. Il n'y a aucun souci. Nous avons peut-être pour vous carrément une proposition de formation diplômante qui est un master en management de projet. Ça va vous aider à mieux manager votre projet. Bon, peut-être je vais me renseigner par rapport à cela. Ok, d'accord. Messieurs, dames, nous allons... Merci beaucoup, monsieur Idrissa, merci. Messieurs, dames, nous allons prendre peut-être les dernières interventions, si vous le voulez bien. Bonsoir, madame Mouna. Bonsoir. Tout d'abord, je vous remercie pour la qualité de la présentation. Vraiment, vraiment, ça donne envie d'en profiter davantage. Je me présente, c'est Hanna Guinnouni, je suis doctorante et en même temps manager ICM dans une multinationale américaine. Et là, ce qui a catché mon attention au niveau de, cette certification, c'est le mot changement. Donc, parce que j'ai réalisé une recherche scientifique qui étudie l'adoption des nouvelles technologies ou bien l'adoption des innovations. Et là, je suis toujours passionnée par le fait de chercher, chercher à comprendre la complexité de l'être humain et comment il réactif face au changement. Et là, je me demande, est-ce que cette formation va me permettre de m'inscrire encore plus dans cette démarche de recherche afin de pouvoir répondre à mes questions par rapport à la complexité de l'être humain et à la résistance au changement. Voilà. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait, parce que vous avez deux modules importants. Et je dois dire que vous avez les personnes qu'il faut pour répondre à ces questions. Sincèrement, tout à l'heure, on est passé sur nos intervenants peut-être un peu trop vite. D'accord. Et les personnes qui seront donc notre corps professoral est mûr, est assez mûr, et pour répondre à ce type de questions. Et donc, effectivement, vous avez les résistances, vous avez le changement, vous avez la complexité, et qui sont au centre de ce que nous faisons. Là, c'est vraiment très, très poussé au niveau change management. Voilà, mais je vous le dis, ce n'est pas parce que c'est notre formation et que j'appartiens à ce groupe, mais là, ça va beaucoup vous aider. Ce n'est pas uniquement les aspects managériaux que vous avez les uns et les autres. Mais c'est comment analyser ces aspects managériaux dans un environnement qui change. Comment réagir face à la complexité? Comment être efficace face aux résistances? Comment, je dirais, de façon très, très douce, détruire ces résistances, etc., etc. Donc, oui, c'est totalement ça. Donc, vous avez le premier module, vous avez regardé le premier et le deuxième module sont déterminants pour les questions que vous venez de poser. Et ce qui est bien, c'est qu'avec Yasmina Qadiri, elle est chercheure, elle aussi. Et donc, elle a beaucoup travaillé sur le changement, sur le change management et sur le leadership. Donc, très probablement, elle va partager avec vous des articles. Je la connais très, très bien. Je connais en tout cas sa façon de faire et je pense que vous ne serez pas déçus. Ok, merci. Merci beaucoup. Choisissez d'ailleurs un projet dans ce sens. Rappelez-vous tout à l'heure ce que j'ai dit par rapport au projet. Alors, c'est une chance inouïe. C'est un petit mémoire que vous allez pouvoir. Donc, c'est un article peut-être que vous allez pouvoir élaborer à travers, donc, je dirais, le projet. Ah ouais. Le projet, c'est sortir avec une valeur ajoutée certaine à l'issue de cette formation. Mais aussi, c'est l'occasion de faire avancer un projet personnel ou une problématique professionnelle en lien avec la thématique de notre certificat en profitant de l'encadrement des enseignants de HEM. Oui, d'accord. Donc, si jamais on profite de cette formation, probablement on sortira avec un article scientifique au futur, Inch'Allah. Merci beaucoup. Les prémices de l'article scientifique, parce que vous allez faire une présentation, un livrable en 15 pages. Il ne faut pas non plus, attention, on n'est pas là aussi pour faire votre doctorat et vous demander un peu beaucoup. Mais c'est probablement... En fait, moi, j'ai déjà obtenu mon doctorat. J'ai déjà mon doctorat. Donc, non, mais franchement... je vous le conseille, ça peut aboutir sur un article scientifique, n'hésitez pas. Oui, pourquoi pas. Parce que qu'est la dimension d'anthropologue, je ne sais pas si je m'exprime bien en parlant du mot anthropologie, mais c'est la dimension, elle est là aussi dans cette formation. Exactement, je cherche à m'approfondir encore plus dans ces thématiques-là et dans ce sens-là, voilà. Merci beaucoup, merci bon beaucoup. Bon courage. Bonsoir, madame Mouna. Bonsoir, je connais.
Et Madame Khadi Wafa, je viens de vous accompagner. Oui, juste j'ai une petite question concernant le certificat, parce que moi je me suis inscrite sur certificat manager nouvelle génération. C'est la même chose. C'est la même chose. Alors, chauffeur Madame Khadri, merci. Merci beaucoup pour la question. J'étais sur le point de poser la même question. Mille merci pour la question. Alors, le contenu Wahed, manager nouvelle génération, je peux vous montrer Wahed la présentation qui date de octobre, c'est exactement le même contenu. Les gens, quand on les appelait, donc pour parler de ça, c'est quoi? Wesh nous Wahed manager nouvelle génération? Est-ce qu'il s'adresse uniquement aux nouvelles générations, aux plus jeunes? Est-ce que vous allez nous dire c'est quoi le management du futur? Et donc les gens ne comprenaient pas. C'est une appellation de l'Ihnaïa, vraiment, on l'a réfléchi, pensé, on a discuté, rediscuté pour la mettre, et on pensait qu'elle allait accrocher, qu'elle allait plaire à tout le monde. Mais les n'en voulaient pas. C'est quoi le cas de la thématique? La dénomination n'a rien à voir avec le contenu, avec Anna, je veux ces mots captants du moment que vous parlez. Et on s'est dit, oui, mais on parle donc de complexité, de leadership et de management et de changement. Eh bien, appelons les choses par leur nom. C'est un certificat leadership et management du changement. Et c'est ça le manager nouvelle génération. C'est celui qui va s'insérer dans la complexité de notre monde, la complexité nouvelle. C'est celui qui va être dans l'agilité, c'est celui qui va conduire le change management, on parle de management de changement. C'est celui aussi qui va donc être dans la posture de leader pour pouvoir faire ces changements. C'est la digitalisation, c'est l'innovation, tout ça c'est le manager nouvelle génération. Si vous avez fait ça, là, vous êtes un manager nouvelle génération. Mais je serai mais une nouvelle génération, voilà. D'accord. Merci vraiment pour la question parce que je voulais commencer par ça, j'ai totalement oublié. Merci. Donc, c'est pour moi. Alors, Madame Khaddi, oui. Madame Khaddi, smahli, غير غادي تمشي بحال دابا غير داك لا بروشور اللي حنا عاملين في لو سيت انت غتلقاي بان سي لي ميم تيماتيك. Oui, c'est ça, parce que il y a un intervenant qui m'a appelé ce matin. Il m'a expliqué que ça a été changé par cette certificat. Moi, je me suis dit, ça se peut, le contenu a été changé, mais lorsque j'ai vu vos slides, j'ai trouvé que le même contenu que vous m'avez communiqué. Non. La certification n'a pas changé. C'est juste le nom. Anna Koutle, parce que rappelez-vous, Madame Khaddin, vous aussi, vous m'aviez posé la question. C'est quoi le manager nouvelle génération? Je vous remercie au profond pour notre échange la dernière fois. C'était impeccable et vous avez fait un éclairage très important sur moi, parce que moi, je travaille maintenant responsable ressources humaines dans une société qui fait la distribution de la marque Michelin au Maroc. Et on est en plein développement, en plein changement. En premier lieu, exactement. Anna, je vais vous parler de ma propre expérience. Moi, le jour où j'ai fait une formation similaire, ça m'a énormément aidée au niveau de mon travail. Pourtant, je suis depuis très très longtemps à HEM, je connais la structure sur les bouts des doigts, je suis passée par tous les... Et actuellement, je suis en train de vivre un changement. Et pour ne rien vous cacher, je voulais repartir sur ce certificat, même si je suis certifiée de part ailleurs. Exactement, parce que moi, je trouve, je touche... La résistance de changement dans tous les services. On va commencer par la direction générale, le gardien. Je trouve que ça va m'ajouter quelque chose pour que j'arrive à accompagner avec le cabinet où on travaille, sincèrement, la direction et la dédier une fortune pour qu'ils arrivent à harmoniser et assurer la conduite de changement, malgré que des fois, le changement devient auprès de la comité de direction. Le changement, il vient de l'intérieur. Il ne peut pas venir de l'extérieur avec des cabinets qui ont des process qui sont identiques partout dans le monde sans prendre en considération la spécificité locale ni les HADA. Vous savez, ça me renvoie, parce que je suis aussi enseignante, et ça me renvoie à un cours que je faisais avec mes étudiants de deuxième et de troisième année qui s'appelle l'interculturel, le cross-cultural management. Et donc,
Est-ce qu'un Japonais, par exemple, qui a besoin, un leader japonais ou un manager qui a besoin d'être au travail à 7h30, 8h, manger entre midi et 2h, s'arrêter à Ada, peut s'intégrer au Maroc s'il ne sait pas que Ramadan, etc. Donc le changement, il ne peut venir que de ce que vous avez vécu, vous, au niveau du vécu de l'entreprise et de l'intérieur et de ses dirigeants qui sont prêts aussi, qui ont une vision sur le long terme et qui veulent donc accompagner ce changement. Il ça sert à rien. Parce que vous savez, un RH, vous avez tous les outils de RH. Qu'est-ce qui vous manque au niveau RH? Je ne sais pas ce qui vous manque. Donc, c'est ces outils-là qui vous manquent peut-être, ou là, qui vont plus vous aider. Exactement. C'est ça ce que j'ai constaté. C'est ça que vous m'avez confirmé. Parce qu'on a les outils de travail, on a tout ce qu'il faut. Mais si je ne travaille pas, sur moi pour que je serai leader de changement, j'arrive pas à aider les autres et à accompagner les autres pour qu'ils acceptent le changement. Ben ça va vous aider, Madame Khaddi, croyez-moi, ou j'aimerais bien qu'on en reparle à la fin de votre formation. Bien sûr, bien sûr. Et je vous vouliez dire quelque chose? Merci. Monsieur, excusez-nous, on vous a interrompu. C'est une question, c'est Jafar et Adate. Ça va vous aller bien. Juste une question. La formation, elle va démarrer la semaine prochaine, week-end prochain, non? Le week-end d'après, le 19, le 27. Non, parce que moi, j'ai reçu un email de votre part, c'est le week-end du 20-21 mars. Non, c'est le week-end d'après, si Jafaris, Mélina ou Safi. Je suis en train de voir même l'email, la date de lancement de ce certificat. C'est ce qui était prévu, mais c'est ce qui est vraiment été prévu. Mais on a tellement de demandes qu'on veut donner la chance à tout le monde. La semaine dernière, le marketing digital. Ou d'abord, on a 15 personnes au niveau de la file d'attente. Donc, Brina, ça vraiment être sûr et certain qu'on va pouvoir avoir tout le monde pour les raisons que je vous ai dit tout à l'heure, c'est la dynamique de groupe, en sachant qu'on ne peut pas aller au-delà de 20-25 maximum dans de grandes salles et tout, parce que Covid oblige, nous sommes encore très, très prudents, même si la campagne de vaccination, en tout cas moi, dans mon institution, j'ai été vaccinée. Vous avez les enseignants d'Yelkoum, ils ont tous été vaccinés, FMC, donc ça m'a... c'est pas le 17, le 18 ni encore le 19 mars, mais ce sera le week-end d'après. D'accord, fin du mois. Okay. Oui, d'ailleurs, on allait vous appeler tous à partir donc de mardi pour vous en parler. Et ça sera sur Casablanca, non? Sur Casablanca, c'est Jafar. On a fait le chiffre l'ouel, on a la Casa, on a le chiffre l'idée de distanciel. Je pose la question parce que ils m'ont communiqué que peut-être il y aura une fois sur Casa et une autre fois sur Rabat. C'est pour ça que j'essaie de. Arbatin, à Casa Hdekoum. Je suis de Casa, mais je suis à Saïd sur Tangier. Pour moi. Pas de souci. Avec plaisir. Petite communauté de l'Iketmchif, c'est incroyable. Hein? Mais par contre, Assil Jafari, moi j'aimerais bien qu'on le fasse à Tanger l'année prochaine ou là. Franchement, parce que Tanger mérite aussi d'avoir. Parce qu'on est présent sur Tanger avec notre campus HEM. Voilà. Pour moi, ça m'arrange aussi à Casablanca parce que j'organise mes visites à Casablanca de mes clients et, ça. Et je suis d'origine de Casa. Donc pour moi. Bah, parfait, donc on vous satisfait dans un sens ou dans un autre. La toute dernière question, et je vous laisse partir parce que c'est à regret, ça fait une heure et demie qu'on partage, et donc franchement, j'aimerais bien vous revoir tous, Inch'Allah, la fin du mois. Allez-y, la toute dernière question, messieurs, dames. Allô ? Très bien, donc s'il n'y a pas de questions, merci vraiment de nous avoir suivis, merci d'avoir donné de votre temps et au plaisir de vous voir, j'espère, Inch'Allah, la fin du mois. Finalisez quand même vos inscriptions, dépêchez-vous parce qu'il reste très très peu de place, je dois quand même le dire. Et donc, vous serez contactés par ma camarade qui va vous envoyer donc, l'ensemble, je dirais, des informations concernant donc ce certificat. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde.